Dépêche-toi, Pupus, on va se taper les bouchons. Mets la valise dans le coffre, dans 2 secondes, on décolle. C'est moche ces éoliennes. Enfin, c'est pas censé être joli des éoliennes. Ouais, ben n'empêche qu'ils nous gâchent le bocage avec tout ça. Ah, putain, fais chier. J'ai un caillou dans la pompe. Ça va, c'est bon, c'est un caillou, c'est pas une aiguille. Enfin, c'est quand même le seul caillou de cette putain de plage, hein. Chier, merde. Ah, c'est bon, détends-toi, respire. Il est fou celui-là! Ça n'a pas changé. Tu sais, ça fait un moment que je suis plus venue ici. Oh. Ouais, mais quand même, là, ça a l'air humide, hein, non? Mmh. Faudrait peut-être rallumer le chauffage, non? Hmm? Oui, bah oui, tu peux. Oui, oui, tu peux. C'est quoi ça? Je sais pas. Hey! Ça va? Mais vous êtes qui vous? Qu'est-ce que vous faites là? J'ai remarqué que vous avez l'air un tantinet stressé, alors je me suis dit qu'on pourrait peut-être parler un petit peu. Mais comment vous avez fait ça? Non mais vous êtes chez nous là, vous avez rien à faire ici. Chez vous, chez moi, l'important c'est que nous soyons là. Oui, enfin, nous maintenant on est en vacances. Prendre le temps. Mais qu'est-ce que c'est pour vous le temps? Nous savons que l'univers est en expansion constante et exponentielle depuis 13,7 milliards d'années. Et que l'espace et le temps sont liés, voire la même entité. Et vous croyez toujours pouvoir en percevoir quelque chose de linéaire et statique? Votre histoire d'univers exponentiel, moi ça me parle. Mais vous êtes quoi en fait? Alors ça c'est une bonne question. Bon, ça suffit, hein. Je suis pas venu ici pour écouter vos conneries. Hein. Moi je suis venu ici en vacances. C'est pour me reposer, hein? Ah putain, pourquoi ça marche pas? Ah. Oh, ça suffit là. Laissez-nous tranquille, on a d'autres choses à faire là. Faire. Tu penses des fois à ce que tu aimerais vraiment faire? Vous en avez pas marre avec vos questions là, con là? Oui. Faire le piège du fer en fait. Mais est-ce que tu penses à être? La théorie de Max Planck, je pense qu'elle est complètement erronée. Eh mais tu te rends compte qu'il y a 2000 ans? En attendant, on n'a pas d'eau chaude. Alors là, mais c'est qui idiot qui a créé ça? Oui, la vie c'est trop super, tout le monde est de la même couleur. On s'aime tous, youpi! Puis c'est quoi cette image de la femme? Non, mais tu suranalyses là, tu décortiques tout le temps, donc tu vas pas avancer. Écoute-moi bien, moi j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus. Hein. Je bosse 50 heures par semaine. J'ai envie de me reposer, moi. Alors soit tu nous laisses tranquilles, soit c'est nous qui partons. Hein, Pupus? Mais depuis que t'es arrivé, tu t'es pas posé? Jamais. T'arrives, tu t'agites, tu fais. Tu veux être en vacances? Oublier ton boulot? Bah arrête de bosser. Et prends 2 minutes pour être ici. On n'est pas là pour être ici. La vie d'un être humain est éphémère. Et pourtant, c'est l'espoir qui anime la vie. Sans futur, il n'y aurait pas d'espoir. Et sans espoir, il n'y aurait pas de futur. J'ai espoir en la prospérité de la race humaine. En vérité, c'est tout ce qui importe. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est quasiment rien vis-à-vis de l'univers. Et ce qui importe, c'est d'en prendre conscience. De l'intégrer, de l'accepter. Et de se poser la question, qui on veut vraiment être pendant le temps qui nous est imparti sur cette petite boule de terre qui file à 107 218 km/h autour d'un astre perdu dans le vide spatial. Bonne nuit, mon cœur. Bonne nuit, Pupus.
viens de rentrer. Oh, putain, le con, là. Mais vas-y, t'avances, connard, là.